Hey, salut les potos, c'est Martinou. Bah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Fishing Planet. Bon les potos, on a fait un petit retour timide et en souplesse avec du petit fish sur le lac Sander Baggersea. On va s'attaquer à un peu plus costaud maintenant, puisque dans cette vidéo, on va essayer on va expliquer comment choper les carpes argenté unique et marbré unique. Donc ce sont des fiches un peu plus gros, hein, on est aux alentours des 20 kg pour les uniques. Un petit peu en dessous d'ailleurs, puisque je pensais que c'était 20 kg, mais non, c'est un peu en dessous, parce que j'en ai pris une de moins de 20 qui était une unique. Je ne sais même pas combien ça commence, unique, c'est peut-être 18 ou 19. Donc voilà, bon, le coin de pêche, pour de commencer, c'est pas compliqué, il suffit de se rendre aux mines d'or. Ah, vous voyez, les mines d'or ici, avec mon petit péchou. Allons-y tout de suite, je vais vous montrer le spot. Alors, enfin, il y en a sans doute d'autres qui fonctionnent, hein, c'est toujours pareil, mais celui-ci, franchement, le rendement des touches était quand même assez sympa. Donc vous voyez, vous arrivez ici, le spawn, crac, vous prenez sur votre droite et vous gambadez jusqu'à, alors il ne faut pas que je me trompe d'endroit, mais enfin bon, normalement c'est tout bon. Alors il y a un premier endroit où on peut pêcher avec une zone aménagée pour, mais moi je pêche juste après. Donc voilà la première zone aménagée, à la limite je pense que vous devez pouvoir la faire d'ici, mais je vais vous montrer où c'est que je la fais moi. Alors c'est pas là non plus. Gambadon. Donc là, ça y est, c'est bon, j'ai toutes les captures des prises des différents poissons uniques qu'il y a ici. Alors vous voyez, vous avez un arbre avec des branches qui viennent tomber dans l'eau ici. Et bien c'est là que je me mets moi pour la faire. Et pour la faire, il va falloir du matériel bouchon. Alors des cannes anglaises en l'occurrence, ou des match rods, parce que j'ai vu qu'il y avait des match rods maintenant dans le jeu. Les deux vont fonctionner de toute façon. Enfin, je pense, je n'ai pas pêché encore avec les match rods. Donc voilà, le but du jeu ici, je vais vous montrer le matériel. Moi, j'ai investi un peu de gold là, dans une Majesty 350 SE. Les Brutus seront bien aussi, en un peu moins puissantes. J'ai un Thunder Spin 5500, même si maintenant j'ai un peu mieux que ça. J'ai des embouchures et puis voilà. Mais bon, avec une Brutus et un Rivertex, voire même un peu moins, avec un Rivertex, ça se remonte assez tranquille. Il n'y a quand même pas, vous ne mettrez pas 10 minutes à ramener le fish. Donc, en hameçon, je mets du 4-0. Et pour ce qui est de... Alors, ne mettez pas... Alors, après, je sais qu'on peut la pêcher avec un peu plus de fond que ce que je mets, mais effectivement, bon, au départ, j'étais parti sur 1m50 de fond pour pêcher ce fish, et j'ai un joueur, Kisscool, qui s'appelle Kisscool, qui m'a dit, ouais, si tu veux l'avoir fastoche, tu mets 10 cm de fond. Et effectivement, j'ai mis 10 cm de fond, et ça marche vachement mieux. Donc si vous mettez 10 cm de fond, naturellement, vous ne pourrez pas mettre de badling. Donc pêcher sans badling avec du fluoro direct. Moi j'ai mis du fluoro, mais de nylon doit marcher de la même façon. Et les appâts pour la choper, moi je les ai faites avec des morceaux de légumes. Mais vous pouvez les faire également avec le technoplancton. Le technoplancton, d'ailleurs je me demande, ça marche pas encore mieux que le... Mais bon, après, franchement, c'est pas des fiches qui sont extrêmement difficiles à faire en unique. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps pour les sortir. Concernant les météos et les horaires, alors concernant les horaires, il faut reprendre les graphiques. Alors à savoir que moi je ne l'ai fait que par jour nuage et par jour soleil, et que ça marche vraiment très bien par jour soleil le matin et le soir de la même façon, il n'y a pas de problème. Mais il me semble que j'ai fait l'unique aussi par journée
nuages dans les pics d'activité, voilà, entre 13 et 17. Je ne sais pas si on peut la faire, parce que j'ai essayé par journée mitigée, mais je n'ai pas réussi à la faire dans les petits pics que vous avez en jaune ici, donc 6, 7, 7, 8, et jusqu'à 18, 20 heures. Quoi. Je ne pourrais pas vous dire. De nuit, ce n'est pas la peine, je ne pense pas qu'on puisse la faire. Je n'ai pas essayé, vous direz, mais ça se fait très bien de jour. Et puis, il y a d'autres poissons à pêcher la nuit par ici, donc voilà. Pour ce qui est... Alors, où est-ce qu'on va pêcher? Bon, on va pêcher en plein milieu. En plein milieu, mon commandant. Donc là, j'ai fait un lancer de merde. Donc, je vais être en deçà de la... Il faut lancer une 40, 42 mètres, c'est bien. En deçà, c'est... Il y a moins de touches. Et vous prendrez moins de fiches. Voilà pour ce qui est de cette pêche. C'est vraiment pas très compliqué. Alors moi, j'ai pas plusieurs cannes anglaises. Enfin si, j'aurais pu pêcher avec la voiture en même temps. Je pêchais qu'à une seule canne en plus. Et c'était vraiment pas très difficile de faire ce poisson avec une seule canne. Donc j'imagine que si vous foutez en randonnion trois cannes anglaises pour choper ces carpes, ça va être du tout cuit pour qui cuisine, comme on dit. Hein. Donc voilà les poteaux. À la suite, naturellement, de la vidéo. Vous aurez la prise de l'argenté unique et de la marbrée unique en journée soleil. Donc j'avais fait l'argenté le matin et la marbrée le soir, si je ne dis pas de conneries. Voilà les poteaux, vous savez tout. C'est pas très compliqué, alors profitons-en. Et c'est vrai que bon, ce lac, ça fait un petit moment que je suis dessus. Ouais, bon, pas grand-chose de véritablement ensorcelant à faire ici. J'ai pas encore fait le catfish, je le ferai probablement, il n'y a pas de raison. Mais voilà, là pour l'instant j'essaie d'XP. D'ailleurs je ferai peut-être une petite vidéo pour ma méthode pour XP rapidement entre le level 40 et le level 46 là où j'en suis, puisque je ne suis pas encore allé à Actuba. Voilà les potos, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, bisous, ciao.
Alors, on commence par quoi? Donc, ça a l'air de marcher le soir aussi. Un petit trophée pour commencer. Petit trophée quoi. Light. Encourageant, d'autant plus que c'est une marbrée. Parfait. Ok. Ta-dum, ta-dum, nothing is just like candy. Oh well, what are you gonna do, boys? C'est honnête. Est-ce que ça fait unique? Rien n'est moins sûr, encore que peut-être, ouais. Tête bain, mon copain. Tout petit alors. Hein. Non, 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 ça c'est trop fait, c'est sûr, ça fait 16 kills. Hey. En plus, j'ai l'impression que c'est une marble, une marbrée. Pouit, 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 pouit. Finger crossed. Why not? Ça va être un énorme trophée. Et non! Ah, pas besoin que ça fasse 20 kilos pour faire une équipe. Parfait. Bon, bah, impeccable.